مرحبا مشتركي سابورانيت، باش نصلح لكم زيزل من التمارينات على درس اكتيفيتي دون ان روبير بور لي بروميير اني. دونك نبدا بالاكزارسيس الاولاني، سوا دلتا اون دوات منو دان روبير او اي O, O, I. Placez les points A, B et C d'abscisse respective XA égale à 3, XB égale à moins 1, XC égale à moins 3. Déterminez AB, IA et CB. Montrez que IC égale à AB et que BA plus 2BC égale à vecteur nul. Donc, à la fin, je vais mettre tout. Le repère interne. Je vais mettre 1 cm. Voilà. Donc, ça, c'est O, I. Donc, XA égale à 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le point A. XB égale à moins 1. Ça, c'est le point B. XC égale à moins 3. Donc, ça, c'est le point C. Donc, elle est question loulée. Question C, déterminer le vecteur AB. Donc, bien sûr, on a XB, on a XA. Donc, on peut déterminer le vecteur AB. Donc, quoi est égal à AB. Voilà, donc AB égale XB moins XA. Bien sûr, porté par I. Donc, égale XB est moins 1, moins XA, c'est-à-dire moins 3. Donc, I égale moins 4I. Voilà. Donc, AB égale moins 4I. Le vecteur IA égale XA moins XI. I. Donc XA est 3 moins XI moins 1. I. Donc égale 2I. Voilà. Donc IA est 2I. Et le vecteur CB égale XB moins XCI. Donc XB c'est moins 1. Moins XC, donc il y a moins 3, moins moins 3, plus 3, I, donc égale 2I. Voilà, donc ça, CB égale à 2I. Question 3, montrer que IC égale à AB. Donc, quoi est égal à IC? Égale XC moins XI fois I. Donc, XC, c'est-à-dire l'année moins 3, moins 1, I, qui est égal à moins 4I. Et le vecteur AB, donc, égale AB déjà à cette voilà, il est au moins 4. I, bien sûr. Donc, IC égale à AB. Voilà. Donc, là, j'ai la racine interne. Ahokalene. IC, AB. Déjà, même sens, même direction, même norme. BA plus 2BC égale à vecteur nul. Donc, BA égale normalement moins AB. Donc, qui est égal à 4I. Et BC égale moins CB. Donc, on a déjà CB. Elle est 2, donc égale à moins 2I. Alors, qui n'a BA plus 2BC. Donc, BA plus 2BC égale BA, on a 4I, plus 2 fois moins 2I. Donc, 4 moins 4I. Qui est égal vecteur nul. Alors, voilà. Ok, pour terminer l'exercice de l'année, on va corriger ensemble l'exercice 2. Donc, l'énoncé par l'exercice موجود à l'écran. Donc, maintenant, je vous parle de vous. Donc, on va dire que tu fais une correction. Ben, chaque fois, il y a une chose à faire. Donc, tu parles. Il y a une étape pour là. Donc, soit delta. Une droite menue d'un repère O, OI, tel que OI égale à 1. Okay? Donc, soit A et B, et C, trois plans de delta d'abscisse, XA égale à moins 2, XB, XC égale à 7,5. Déterminer AC et IA, déterminer XB, sachant que AB égale à 7,5 et XB positif. Voilà, donc c'est faut tout les delta. هذه هو دلتا voilà donc عندنا O I
On dit le point A, c'est moins 2. Donc, moins 1, moins 2, ça, c'est le point 1. On dit x, c'est égal à 7,5. 7,5, moins 3,5. Donc, 1, 2, 3,5. Alors, ça, c'est le point C. Donc, déterminer AC et IA. Donc, l'année AC et IA. Donc, AC égale racine carrée de XC moins XA au carré. Donc, l'année Chomstatine, il XC, il y a 7,5 ou l'XA moins 2. Donc, racine de 7,5 moins moins 2, c'est-à-dire plus 2 au carré. Donc, l'année 4 sur 2, 7 plus 4, donc 11 sur 2 au carré, donc qui est égal à 11 demi. Donc, AC égale à 11 sur 2. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5,2. Déjà 11 sur 2, il y a 5 et demi. OK? Mais, et IA. Donc, kif kif. XA moins XI au carré. Donc, l'A, il y a moins 2. Ou l'I, il y a 1. Donc, moins 1 au carré. Donc, moins 3 au carré. C'est-à-dire racine de 9, il y a 3. Donc, IA égale à 3. Voilà. Question 2, déterminer XB, sachant que AB égale 7 demi et XB positif. Donc, il y a racine de XB moins XA au carré. Donc, XA, il y a moins 2, c'est-à-dire racine de XB plus 2 au carré. Donc, il y a XB positif. Alors, XB plus 2, bien sûr, positif. Donc, racine de XB plus 2, il y a XB au carré, bien sûr, XB plus 2. Donc, AB égale XB plus 2 qui est égal à 7 demi. Alors, XB, il y a 7 demi moins 2, c'est-à-dire 7 demi moins 4 sur 2, donc qui est égal à 3 demi. Alors, XB égale à 3 demi. Okay? Donc, 3 demi, on est à 1,5. Voilà, donc ça, c'est le point B. Okay? Donc, l'année AB égale à le AB 7,5. Donc, 1, 2, 3,5. On est 7,5. OK? Mais, OK, on va commencer l'exercice 2 et on va corriger ensemble l'exercice 3. Donc, soit delta une droite munie d'un repère O ou I, soit A et B deux points et deux delta d'abscisse respective, XA égale à moins 2, XB égale à 3. Déterminer l'abscisse du point E, milieu du segment AB. Montrer que E est le milieu du segment OI. Soit F un point de delta, déterminer XF, sachant que I soit le milieu de BF. Voilà. Donc, on a le delta. Voilà. Donc, on dit ça, c'est O et I. XA égale à moins 2, donc ça, c'est le point A. Et XB égale à 3. Donc, 1, 2, 3, ça, c'est le point B. Donc, déterminer l'abscisse donc du point E milieu de segment AB. Donc, E est milieu de segment AB. Alors, XE égale à XB plus XA sur 2. Donc, XB il est 3, XA moins 2, donc moins 2 sur 2, qui est égal à 1,5. Voilà. Donc, fin 0,5, c'est-à-dire voilà, donc il y a le point E. Question, les badins, donc, montrer que E est le milieu du segment OI. Donc, l'année, milieu de OI, donc, milieu de OI, donc, qui est XI plus XO sur 2, qui est égal à 1 plus 0 sur 2, donc, égal à 1 demi, qui est égal à XE. Alors, E, milieu de OI, voilà. Question 3, soit F un point du delta, déterminer XF, sachant que I soit le milieu de BF. Donc, I, milieu de BF. Alors, XI égale à XB plus XF sur 2. Donc, XF égale à 2XI moins XB. Donc, il y a 2 où XB, c'est égal à 3. Donc, 2XI moins 3, donc lié 2 fois 1, 2, 2 moins 3 égale à moins 1. Donc, XF est moins 1. Alors, ça, c'est le point F, tel que Galilée et nous I, milieu de BF. Voilà, donc, avec Galilée et I, on amène à 2 ou à 2.
Voilà. Ok, Nkulu, comme on a l'exercice 3, on va corriger ensemble l'exercice 4. Voilà, donc, on va l'énoncer, mon jeu à l'écran. Soit d'état une droite menue d'un repère O ou I, soit E, F et H, 3 points et delta, 2 delta d'abscisse respective, moins 2, X, F et X, H. On suppose que IE plus 2IF égale à vecteur nul. Montrer que EF égale à 3 demi E, I. Exprimer X, F et placer F. On suppose que HF égale EI, déterminer XH et placer H, montrer que IH et EF ont même milieu. Voilà. Donc, mettez bien le delta interne. Ça, c'est notre donc, droite graduée, bien sûr. C'est O, ou c'est I. Donc, X. E égale à moins 2. Donc ça, c'est le point E. Question, on suppose que IE plus 2IF égale à vecteur nul. Alors, montrez que EF égale à 3 demi EI. Donc, il y a bien une EF égale à 3 demi EI. Donc, je suis dans le point F. Je suis dans le point E. Donc, je dois aller à dire IE plus 2IE. Plus 2 EF égale vecteur nul. Alors, le EF. Donc, le 3 IE plus 2 EF égale à vecteur nul. Donc, 2 EF. Donc, 2 EF égale à moins 3 IE qui est égal à 3 EI. Donc, EF égale à 3 demi E I. Voilà. Donc, déterminer XF et placer F. Donc, l'année, on va déterminer XF. Alors, EF égale à 3 demi EI. C'est-à-dire, l'année, bien sûr, on va déterminer donc EF, XF moins XE, ou EI, donc, égale à XI. Moins XE porté par I, donc XI il y a 1, moins XE moins 2, donc plus 2I, donc qui est égal à 3I. Alors, EF, il y a 3 fois 3, donc 9 demi I, ok? Donc 9 demi I, il y a XF moins XE I. Donc XF moins XE égale à 9 demi, alors XF égale à 9 demi plus XE. Donc 9 demi moins 2, 9 demi moins 4 demi, donc est égal à 5 demi. Alors on a le point F, 5 demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 demi, 2 sur 5. Voilà, 2,5. Donc ça, c'est le point F. L'année EF égale à 3 demi E I. Voilà. Donc, question 2, on suppose que HF égale à EI. Donc, on a EI, il y a HF. Alors, l'année, exprimer XH et placer H. Voilà. Donc, on a. Okay. Donc, ça, c'est XF moins XH. I égale à E. I, donc déjà, le vecteur EI, il y a 3i, donc égal à 3i. Donc, XF moins XH égale à 3. Donc, XF égale à 3 plus XH. Donc, qui est égal, déterminer XH, pardon. Donc, XH égale XF moins. Donc, XF, déjà 5 demi, moins 3, moins 6 demi, donc égal à moins 1 demi. Alors, ça, c'est XH, donc moins 1 demi, c'est-à-dire, je te coule. OK? Anna, HF égale EI. Voilà, donc HF égale EI. Donc, montrer que IH et EF ont même milieu. Donc, là, je vais vous le milieu de IH ou le milieu de EF. Donc, soit, je vais vous le milieu de IH.
Donc, xi1 égale à xi plus xh sur 2. Donc, xi est 1 plus xh, donc, est moins 1,5 sur 2. Donc, je tatini 2 moins 1, donc 1,5 sur 2, qui est égal à 1 quart. Et i2, donc, qui est le milieu de EF. xi2 égale à xe plus xf sur 2. Donc, xe est moins 2 plus xf, est donc 5,5 sur 2. Donc, il y a moins 4 sur 2, moins 4 plus 5, donc 1,5 sur 2, donc égale 1 quart. Voilà, xi1 égale à xi2. Alors, l'élève, i1, ou bidou, i2. Donc, ih, le milieu de ih, ou bidou, le milieu de e. F, voilà. Donc, il y a un quart. Donc, imagine un proto. Un quart, donc, c'est-à-dire 0,25. Normalement, ça, c'est le point milieu. Voilà. On va corriger ensemble. Kif kif. Donc, l'exercice 5. Inch'Allah. Donc, je vais vous montrer l'exercice 6 pour la vidéo. Donc, l'exercice 5, je vous montre à l'écran. Donc, OI, OJ est un repère du plan, soit A de coordonnées 4, 2, B, 2, 4, E, 5, demi, 3, demi, 3 points du plan. Déterminer les composantes des vecteurs AB et AE. Montrer que les points A, E et I sont non alignés. Déterminer les coordonnées du point C tel que E, le milieu de AC. On définit le point G par 2GE plus GB égale à vecteur nul. Écrire BG en fonction de BE, que représente G dans le triangle ABC. Déterminer les coordonnées du point G, soit F, l'intersection de BC à G, et déterminer les coordonnées du point F. Voilà. Donc, Aoulhaj, bien sûr, hier. Donc, je n'ai O, I, O, J, un repère orthonormé direct. Voilà. Voilà, donc ça c'est I, et ça c'est J, ça c'est bien sûr O. Ok? Déterminer les composantes des vecteurs AB et AE. Donc, pour que je rajoute les points internes, ça, donc A est 4, 2, donc 1, 2, 3, 4 et 2, donc une petite colonne A. Donc, N est de préférence, c'est le nombre d'immeubles compacts. Voilà, donc ça c'est le point A. Le point B, 2, 4. Déjà, on avait 4, donc je rappelle. Ça c'est le point B. Le point E, 5 demi, 3 demi. Donc 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc, 2,5, 5,5, c'est-à-dire à l'axe des X, et 3,5, donc l'année de préférence, ça 2,5, et 3,5, c'est-à-dire 1,5, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a le point E. Donc, déterminer les composantes du vecteur AB et AE. Donc, le vecteur, le vecteur, le vecteur AB. Donc, AB égale, bien sûr, XB moins XA et YB moins YA. Donc, égal. XB, donc, on est 2, moins 4. YB, c'est 4, moins 2. Donc, est égal à moins 2, 2. Voilà. Donc, AB égale à moins 2i plus 2j. Et AE, kif kif,
Donc, égale XE moins XA et YE moins YA. Donc, égale XE 5 demi moins 4 et 3 demi moins 2. Donc, égale 8. Donc, 5 moins 8, c'est-à-dire moins 3 demi. L'année 4, donc 3 moins 4 moins 1 demi. Voilà. Donc, AE égale moins 3 demi I moins 1 demi J. Voilà. Donc, montrer que les points A, E et I sont non alignés. Déjà, oui, donc A, E et I ne sont pas alignés. Comment on va montrer que ces points ne sont pas alignés? Donc, les vecteurs, tout simplement, ne sont pas collinéaires. Donc, le point A, E et I. Le vecteur A, E égale donc moins 3 demi et moins 1 demi. Okay? Et le vecteur, par exemple, le vecteur AI. Donc, il y a XA, c'est-à-dire 4 moins XI moins 1, donc 3. Et YA, 2 moins 0, donc 2. Voilà. Donc, ces deux, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires ou non? Donc, les deux vecteurs domaines ne sont pas collinéaires, alors les trois points ne sont pas alignés. Okay? Donc, AE donc, l'année, moins 3 demi ou 3. Donc, qui nous donne pas fait moins 1 demi. 3 fois moins 1 demi, ça signifie moins 3 demi. Donc, ou 2 fois moins 1 demi, ça signifie moins 1, moins 1 demi. Okay? Donc, A, E et I ne sont pas alignés. Voilà. Donc, question les bagues. Alors, déterminer les coordonnées du point C tel que E le milieu de AC. Donc, E est milieu de AC. Alors, XE égale XA plus XC sur 2. Donc, XA est 4 plus déterminer le point, les coordonnées du point C donc, tel que E soit milieu de AC. Voilà. Le but c'est de chercher le point C. Donc, XC égale à 2 XE moins XA. Okay? Donc, il y a 2 fois XE fois 5 demi moins XA, donc moins 4, égale à 5 moins 4 égale à 1. Ça, c'est XC. Et YC égale à 2 YE moins YA. Donc, 2 fois YE, c'est-à-dire 2 fois 3 demi moins 2. Donc, 3 moins 2 égale à 1. Alors, YC égale à 1. Donc, le point C, c'est le point 1, 1. Donc, normalement, il y a le point C. Donc, le E est le milieu de AC. Voilà. On définit le point G. Donc, question 3. Le point G tel que 2GE plus GB égale vecteur nul. Écrire BG en fonction de BE. Donc, BG en fonction de BE, tout simplement, j'ai le point B. Donc, ça signifie 2GB plus 2BE plus GB égale vecteur nul. Alors, 3GB égale moins 2BE. Donc, qui est égal, bien sûr, 2EB. Donc, le vecteur BG. Donc, c'est-à-dire, BG. Donc, BG ou moins GB. Okay? Donc, BG égale à moins GB. Voilà. Donc, je dois aller à dire, bien sûr, je ne dois pas fois moins ça. Donc, je dois aller à dire 3 BG égale 2 BE. Okay? Donc, BG égale 2 tiers de BE. Voilà. Donc, déterminer les coordonnées du G en BG égale à 2 tiers de BE. Alors, BG, c'est XG moins XB égale à 2 tiers de XE moins XB. Alors, XG égale à 2 tiers de XE moins XB plus
plus xb. Donc, on a xe, on a xb, donc 2 tiers, xe 5 demi, moins xb moins 2, plus 2. Donc, là, on est 4, 5 moins 4, 1 demi. 1 demi fois 2 tiers, plus 2. Donc, égal à 1 tiers plus 2, 2 y est 6 sur 2, donc est égal à 1 tiers plus 2, donc 2 y est 6 sur 3, voilà. Donc, l'année plus tard, il est 7 tiers. Ça, c'est xg. Et yg, kif kif, donc 2 tiers de yE moins yB plus yB. Donc, égal 2 tiers. YE, alors YE 3 demi, moins YB moins 4 plus 4. Donc, le 4 est 8 demi. Donc, 2 tiers fois 3 moins 8. Donc, moins 5 demi plus 4. Je peux simplifier par 2. Égal à moins 5 tiers. Plus 4, 4 lié 12 sur 3. Donc, moins 5 plus 12, je t'attends 7 tiers. Voilà, donc YG égale de même 7 tiers. Donc, soit F l'intersection de BC et AG. Je vais mettre le point G, ben avec. Donc, on a BG égale à 2 tiers de BE. Donc, c'est le BE. نجي نقسمو سو خاطر احنا ستة تيار ما نجمش نطلعها كيف معناتها اكزاكت باش نجي نقسم البي او اون 3 بارتي ديجا شفناه احنا كومون ديفيزي ان سيغمون اون 3 بارتي دونك هذه بيان سور انا باش نخدمو بالستيلو نتوما تخدمو بالقلم الرصاص وتفص اوكي فوالا بعديك بيان سور نمشي باراليل هنا فوالا دونك احنا قلنا BG égale à 2 tiers de BE. Donc, oui, 2 tiers de BE, voilà. Donc, ça, c'est le point G. Alors, 7 tiers, normalement, 7 sur 3, égale à 2,333, etc. Donc, Hawini, Hawini, déjà, elle dit que 2,33. Moulené, kif, kif, donc, Hawini, voilà, donc 1, 2, voilà. C'est le point G. Alors, F, l'intersection de BC et AG. Donc, oui, AG. Et BC. Ça, c'est le point F. Déterminer les coordonnées du point F. Donc, on va déterminer XF et YF. Donc, il est graphiquement, donc, l'intersection, direct, tout les coordonnées. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est YF. Et ça, c'est XF. Ou bien, nous avons une liaison à l'algèbre, une fonction affine, donc, ou bien une fonction voilà, affine, donc FA, la droite FA, nous avons l'équation de cette droite, l'équation de la droite BC, et l'intersection de ces équations, puis le point F. Okay? Donc, la droite interne, elle est AG. Donc, AG, bien sûr, nous avons l'équation. On a xg, on a xa, on a yg ou ya. Je me donne l'équation de cette droite. Kif kif, on a l'équation de cette droite, on a l'égalité. Et d'ailleurs, partie de l'algèbre. Donc, je me donne une liaison avec l'algèbre ou bien taqro xf et yf. Voilà. Ok, donc, nous avons l'exercice 5. Voilà. Et donc, on va corriger l'exercice fissure interne au lieu de l'exercice 6, ok? Donc, je vais en faire l'exercice 6. O, I, O, J, un repère autonomé du plan, soit A moins 2, 1, B 2 moins 1, C 0, 5, 3 points du plan. Calculer les distances AB, AC et BC. Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A. Montrer que B est l'image de A par O. Déterminer les coordonnées de G, centre de gravité du triangle ABC. Voilà. Donc, première chose, on a le repère interne. Voilà. Donc, A moins 2, 1. Donc, moins 2, 1. Voilà. Donc, bon, on a
بالكومبا باش نسرعوا فيها وتكون اسهل. Donc ça c'est le point A. B2 moins 1. Donc 2. Et on a 2 ou la moins 1. Donc on commence l'année à la comme fait partie négatif. Donc le point B. Et c'est 0,5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, ça c'est le point C. Calculer les distances AB, AC et BC. Donc, les distances. Donc, la distance AB égale racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc, égale racine de XB, c'est 2, moins XA, moins moins 2, donc plus 2 au carré, plus YB, donc c'est moins 1, moins YA, donc moins 1 au carré, égale racine de 4 au carré, plus 2 au carré. Donc, égale racine de 16 plus 4, qui est égale racine de 20. Alors, AB égale racine de 20. AC et BC, donc kiff kiff. AC égale racine de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Donc, égale racine de xc, c'est-à-dire 0, moins xa moins moins 2, donc plus 2 au carré, plus yc, donc 5, moins ya moins 1 au carré. Donc, égale racine de 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 5 au carré, 5 moins 1, donc 4 au carré, plus 16, donc égale à racine de 20. Voilà. Donc, kif kif AC égale à racine de 20. On va calculer BC. BC égale à racine de XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré. Donc, égale racine de XC, c'est-à-dire 0, moins XB, donc moins 2 au carré, plus YC, donc 5, moins YB, moins moins 1, donc plus 1 au carré. Égale, donc l'énergie 4 plus 6 au carré, donc plus 36, qui est égal à la racine de 40. Voilà. Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A. Déjà, on a le AC égale à AB. Donc, ABC isocèle. L'énergie isocèle et rectangle l'énergie en A. Alors, isocèle. Benesbel est le rectangle AC au carré plus AB au carré égale BC au carré, donc l'aîné ABC rectangle. Voilà. Ou ta qaïs ad-l'aïn ou qa'am az-zawiya. Montrer que B et A sont images par O, l'aîné, donc B et A. Ok? Donc, tout simplement, il faut montrer que XO, ou le O est le milieu de AB. Donc, l'aîné, bien sûr, question 3A, donc soit I, c'est le même milieu de AB. XI égale à XA plus XB sur 2. Donc, XA est moins 2 plus 2 sur 2. Donc, égale à 0. Et YI égale à YA plus YB sur 2. Donc, égale à moins 1 plus 1 sur 2 égale à 0. I, 0, 0. Donc, I est le point O. Alors, A égale à SO de B ou la B égale à SO de A. Déterminer les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle ABC. Donc, le triangle vers là où il nous. Ah ouais. Voilà, donc ça, c'est notre triangle ABC. Donc, l'année à la faute. C est 0, 5. Il n'a pas 5, 0. Voilà. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, l'aîné 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, les fautes arrivent. Et il y a le point C. OK. Donc, juste fait le figure. Donc, comme je ne sais pas, l'aîné est au triangle interne. A, B et C. Voilà. Donc, on a toujours le double. Juste. Voilà. Donc, le point C, il y a 0, 5. 0 à l'X et 5 à l'Y. Donc, l'aîné
Déterminer les coordonnées G du centre de gravité du triangle ABC. Donc, fim chkoul le centre de gravité de notre triangle. Donc, le centre de gravité qui fait il faut faire les milieux. Donc, O est milieu de AB. Okay? Donc, je trouve elle est le milieu de BC ou l'intersection, ou elle est le milieu de AC. Donc, juste je note le point G. Donc, j'ai le milieu de AC. Voilà. Donc, je note mon coup, je note l'intersection, il y a le point G. Donc, il y a le point G. Le but de terme, c'est de déterminer les coordonnées. Donc, on va dire 0, 2. Mais, le G est le centre de gravité du triangle ABC. Alors, on a une relation entre le centre de gravité. Je vais les coordonnées du point G, puisque O est le milieu de AB. Donc, c'est G égale 2 tiers de CO. Okay? Donc, CG. Voilà. Donc, XC ou XO. Donc, XG moins XC. 2 tiers XO moins XC. Et YG moins YC égale 2 tiers YO moins YC. Okay? Donc, je donne à XG égale à 2 tiers XO moins XC. Plus XC, donc égal à 2 tiers. XO est 0. XC, donc c'est 0. Plus XC, voilà, donc qui est égal à 0. Déjà, le point G à l'axe des Y, donc XG égale à 0. Et YG égale à 2 tiers. YO moins YC plus YC. Donc, YO est 0. L'YC c'est 5, donc 2 tiers fois moins 5 plus 5 égale moins 10 sur 3 plus 5, donc plus 15 sur 3, donc est égal 5 tiers. Voilà, donc il y a l'YG. Donc G de coordonnées 0, 5 tiers. Voilà, donc ok, on va commencer à tirer le terme. Tout le monde a dit que c'était un peu plus de temps.